Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Alors, pas grand chose à se mettre sous la dent, nous dans le 13. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris déjà. Alors oui, ils ont installé on va dire, un demi-rayon de Noël dans le nôtre. Je parle de celui de Châteauneuf-lès-Martigues. Après, il y a toujours Halloween, ça c'est sûr. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de choses quand même pour Halloween. D'habitude, ils en font des caisses. Là, ils ont un peu ralenti. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. Pas de blabla. Allez, on y va. Alors, pour Noël, l'indispensable, parce qu'il s'abîme hein, d'une année à l'autre, donc je préfère le changer, moi. Voilà. Très bien pour mettre sous le sapin, pour celles qui connaissent pas, hein, pour mettre pas sous le sapin, pardon, sous la crèche, voilà, faire un petit village. Alors il y a 1 mètre carré pile poil, c'est du genre de tissu, hein. C'est de la ouate, oui, de la ouate, dans le même style. Celui-là, c'est le triangle du sapin, donc c'est un rond, en fait, vous le voyez ici, en forme de rond, pour mettre sous le sapin. Voilà exactement ce que c'est. Voilà. Si vous avez un vrai sapin, ben, ça va ramasser un peu les pines qui tombent. Voilà. Mais pas mal, hein. Il y en a des rouges aussi, des fois, dans les autres magasins. Alors ça, c'est pas très cher, hein. J'ai pas le prix, mais j'essaierai de vous mettre ça au montage. Ensuite, de Noël, j'ai pas pris grand-chose. Alors par contre, après, j'ai pris pour Halloween, donc, parce que mon petit-fils est né pour Halloween, donc, voilà, petit bonbon, petite chauve-souris. Bon, j'ai pas trouvé que c'était très attractif. J'ai trouvé ça parce que j'ai trouvé rigolo après s'il peut garder la boîte, ça va, c'est sympatoche. Voilà, c'était le plus beau, on va dire le plus beau dans le purée, quoi, hein. Le plus beau dans le purée, ouais, c'est ça. Après, il y avait quoi, il y avait quoi, il y avait quoi pour Halloween, je crois que c'est, non, il y avait des pièces. Oui, j'ai pris ça, des grosses pièces comme ça de 1 euro. C'est du chocolat, tout bêtement. Voilà. Et il y avait un billet donc de 500 euros. C'est une tablette de chocolat. Et je l'ai pris également. Et voilà la porte qui s'ouvre. 2 petites secondes, je me déshabille au fur et à mesure. Voilà, je l'ai coincé avec le vélo parce que sinon, comme on a une vanne de fou aujourd'hui, Mistral, Tramontagne, machin truc. Alors, j'ai repris donc ces rangements comme ceci. Alors, c'est la dimension pour un tiroir. Franchement, ils sont super. Vous le voyez là. Parce que je suis en train de ranger, on a tout. Enfin, voilà. On profite et on range, on range, on range, on jette surtout parce qu'on garde des trucs des fois. Voilà. Et celui-ci, la dimension, c'est 9 x 32. Donc il fait 32 de long et 9 de large. Voilà. Moi, j'en ai pris 3 parce que j'en avais un en plus de la dernière fois. Donc ça m'en fait 4. Ça me fait 2 tiroirs, 2 et 2. Voilà. Tout bêtement. Ensuite, bon, il n'y avait pas de trop grandes choses, on va dire. Donc, j'ai pris ceci. Alors, ça, c'est le scrap, donc je vais après. Voilà. Je vous montre ceci aussi, qui est intéressant. Donc, là, c'est pour une 307. Si mon fils regarde la vidéo, il comprendra. Donc, ce sont donc les fameux balais d'essuie-glace qui sont super, hein, puisque nous, pour notre SUV, on les a pris ici aussi. Alors,
faut tomber quand il y en a. Là, il venait de remplir. Donc, ça va. Donc, 307, c'est le F65, côté conducteur. Voilà. Ensuite, qu'ai-je pris? Qu'ai-je pris? Qu'ai-je pris? Trois comme ça qui sont à 1 € et des brouettes hein, pour les toilettes. Bon, ils sont très bien. Ils vendaient le bloc à plus de 3 € et des brouettes. Vous calculez même les trois ensemble, ça ne fait pas le prix de celui de marque qui est vendu avec trois distributeurs. Donc j'en ai pris trois comme ça. Les voilà. Et puis c'est tout. Pas besoin d'une marque pour avoir un produit dans les toilettes. Bon, tiens, bref. Donc ensuite, j'ai pris quoi? Oui, j'ai repris nos fameuses cartouches. Ah, je vous montre à la mer, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, la carafe d'eau filtrante. Hein. Nous, on est fidèles à ça. On l'emmène partout, on l'a même emmené au camping, là, pour vous dire. J'ai pris donc une petite... corbeille à fruits, voilà, parce que sans arrêt la mienne on prend un grand truc et c'est trop grand, donc elles sont très jolies ça. Bon, ça c'est pareil, c'est dans les 2 € et quelques, hein, c'est pas voilà. Ensuite j'ai pris quoi? Là que j'avais commandé le mien bien sûr noir sur Amazon. Ben, j'ai vu qu'ils avaient mis cela. Pardon. Alors, c'est pareil, c'est les lacets pour les téléphones. Vous voyez ici, là. Vous mettez autour du cou, ou en bandoulière, ou comme vous voulez, sous un manteau, on ne voit pas que vous avez votre téléphone, quoi. À condition de ne pas le sortir, parce que si c'est pour l'avoir à la main toutes les 5 minutes, c'est pas la peine. Bref. Voilà, c'est les mêmes cordons, hein, c'est exactement pareil. Bon. Ils étaient vraiment pas chers, là, ils étaient en semaine action. Donc ensuite, j'essaie de l'attraper dans mon truc, là. Parce que c'est bas. J'ai pris donc... mes cheveux blancs, donc ma coiffeuse qui m'entretient, ma coupe, enfin rien qui m'entretient, là il faut que j'y retourne. Mais donc je lui ai parlé que je mettais que des produits d'Action. Elle n'en revenait pas du blanc que j'avais dans mes cheveux. Elle dit c'est rare que ça soit aussi blanc. Il y en a beaucoup qui les ont qui sont jaunes. Donc j'ai dit j'utilise ça. Voilà, les deux d'Action. Franchement, même l'ancien, hein, qui était en bouteille comme ceci, le conditionneur, il était super. Voilà, donc là, ils ont changé le packaging, on va dire. Lui, non, le shampoing, mais par contre, le conditionneur, oui. Ils ont mis en boîte. C'est pas plus mal, hein. Bon, le bouchon se cassait à chaque fois, moi, hein, donc voilà. C'est Inecto. Ouais, pas de jaune, voilà. Mais exactement. Et ce produit est vegan. Hein. Pour celles qui sont véganes, voilà. Même celui-là, c'est marqué dessus, ici. Là. Voilà. Donc, très bon produit pour les cheveux blancs. Évitez qu'ils ne jaunissent. Moi, je ne veux pas faire de teinture parce qu'après, on ne sort plus. Les racines, le ci, le là, le mi, c'est bon. Après, donc ça, je vous passe après. Voilà, c'est quoi? Un déodorant pour la voiture. Voilà, on a pris celui-là, on va le tester. Mais je le remplirai moi parce que ça sent pas. En fait, les proportions qu'ils doivent mettre dedans ne sont pas bonnes. Et moi, je ferai le mien dans ce petit bonhomme-là.
pour ça que j'ai pris vanille, puisque moi je le fais à la vanille pour la voiture. Vanille ou océan, voilà, c'est tout. Après tout le reste, ça pue, c'est dégueulasse. Voilà, trois quarts du temps, ceux d'action, quand vous les mettez, tac, ça sent. Puis au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, ça, air fraîcheur, je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de bien trop croustillant, hein, je vous le dis. J'ai pris donc des petits. Alors là, j'ai pris un masque hydratant, mais avec c'est un genre de stick. Vous le voyez ici. C'est pas de la crème qu'on passe avec la main. Non, voilà, tout est expliqué ici. Franchement, il a l'air super. On verra bien. Voilà, donc j'ai pris aussi deux petits parfums. J'ai pris celui-ci. Ce sont les tout petits pour offrir des copinettes. Et celui-là. Voilà. Ensuite, calendrier de l'Avent, bien sûr. Donc, petit Nutella. Voilà. Donc, qui va aller dedans. J'ai pris aussi du thé noir. J'aime bien, moi, le thé noir. Je préfère d'ailleurs le thé vert, je n'aime pas trop. Voilà, thé noir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Une petite cochonnerie pour faire cadeau aux copinettes. Des petits sachets de spéculoos. C'est bien, c'est individuel. Alors bon, voilà. Je commence à prendre un peu pour remplir les calendriers. Ensuite, le petit choix. Ben, j'ai pris cela parce que comme il n'y a pas de chocolat pour l'instant, ben, je vais mettre des petits caramels. J'ai pris aussi ceci. Voilà, c'est tout mélangé. Hein. Donc j'ai repris ça. C'est les sacs parce que les miens se sont déchirés. Au bout d'un moment, il faut les changer. Ce sont les sacs, ça s'appelle sac à ligne. Mais c'est pour les choses fragiles en machine. Voilà, ça. J'ai pris donc un signal qui était, parce que c'est très rare qu'il y ait des. Et en plus, celui-là, c'est le white. Donc, il est à 4, 4 et quelques en magasin. Donc, je l'ai pris. Pas Action, hein, pas. C'est dans le magasin qu'il est. J'ai pris aussi des marmames comme ça pour mettre dans mes petits calendriers de l'Avent. Des petits Kit Kat Crunchy. Ils sont pas mal, ceux-là aussi. Ils sont très bons, on les avait goûtés il y a pas mal de temps. J'ai pris ces barres qui sont pas mal aussi. Des barres au sésame, alors celle-ci c'est caramel bar, c'est cacahuète et sésame, celle-ci c'est caramel bar, voilà, c'est du caramel, hein, c'est bon, j'appelle ça gâteau chinois parce que j'ai toujours pris chez le chinois, celle-ci c'est sunflower kernel caramel bar aussi, mais avec des pignons de pain. Me semble-t-il. Voilà. Donc, pour faire des petits cadeaux, c'est bien. J'ai pris un Sanex, puisque celui que je prends d'habitude n'y était pas. Donc, alors j'ai pris celui-là. J'ai pris aussi ceci pour les calendriers d'avant. Un peu morflé. Voilà. Toutes les. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a 4. Ouais, bah de toute façon, moi, je n'en achèterai pas plus, puisque j'ai beaucoup de papier de Noël, des Noël passés. Donc, je vais passer mes papiers, puis après, on verra. Voilà, donc ça, c'est pour faire les quatre dimanches principaux de Noël. Donc, il y aura un petit peu plus de cadeaux dedans. Et ensuite, dans le scrap, ben, il n'y avait pas grand-chose pour vous dire rien d'intéressant.
Donc en ce moment, c'est la Bérésina. Le seul truc qui m'intéressait, c'était ça. Donc les stylos gel doré et argenté. Voilà, moi c'est surtout le blanc qui m'intéresse, le doré et l'argenté. Bon, ouais. Voilà, le blanc, oui, puisque ça sèche facilement. J'ai pris aussi donc cela. Alors je vois pas du tout ce que ça peut donner puisque dit feutre à pointe pinceau fine. Donc je vais essayer. Alors il n'y avait que ces teintes-là. Il y en a 10 dedans. Voilà. Voilà. Si ça peut vous intéresser. C'est des micro brush pen à base d'eau. Hein. C'est pas de l'alcool, hein. C'est à base d'eau. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ces trois petites choses bien sympathiques pour mettre dans les calendriers de l'Avent des copinettes ou un petit cadeau. Voilà, ce sont des avec du papier fou. Donc, vous pouvez faire des petits porte-clés, des petits pendentifs, vous voyez. Ici, il y a tout dedans, hein, tout y est, même les crayons de couleur. Voilà, vous avez le plastique fou. Et après, vous avez six designs qui sont là. Alors là, c'était les papillons, ici. Voilà. Là, j'ai pris les... Comment ça s'appelle? Bah, les gâteaux, les petits cupcakes, muffins, donuts. Voilà. Donc, ils sont ici. Pareil, vous avez tout hein, pour faire les petits porte-clés. Vous mettez au four, vous coloriez, vous mettez au four et voilà, c'est fait. Et ici, donc, c'est une autre design. C'est joli aussi. Hein, des petits, voilà, des petits souvenirs à mettre dans les calendriers de l'Avent. Voilà. Et j'ai pris donc un dernier. Une belle piñata pour notre petit oiseau qui va faire 6 ans déjà, comme ça passe vite. Donc il est rentré au CP cette année. Voilà, il aime bien tout ce qui est Mickey, pas de patrouille, tout ça. Bon, bah, allez. Comme Mickey n'y était pas, bah, on a pris pas de patrouille. Voilà. Eh bien, écoute, on arrive au bout, hein. Et oui, déjà. Donc, je vous dis à bientôt. Il va y avoir des petites choses présentées sur la chaîne. Après, je suis absente, oui, bien sûr. Parce qu'ici, nous, il fait trop chaud encore dans les chambres. Moi, je scrape dans une chambre. Il fait vraiment trop chaud, les ventilos, tout ça. Voilà, aujourd'hui, on a du vent. Alors, ça va, j'ai pu filmer en ouvrant. Mais c'est rare qu'on ouvre les volets encore. Hein. Nous, ça tape du matin au soir. Donc, on a très chaud. Même la nuit, on a les ventilos encore. Alors, pour vous dire. Donc, voilà, il y aura des petites présentations de ce que j'ai fait par-ci, par-là, en regardant ou la télé ou au camping. Moi, je dessine beaucoup quand je vais dans les campings. Je préfère emmener du coloriage. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien surtout, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!